Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Africaine 24. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci de nous suivre sur la page Facebook de Nana FM ou www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la 95.5 FM. La dynamique Monseigneur Podjo a lancé il y a quelques jours une tombola pour recueillir des fonds devant servir à aider les populations en détresse au Nord Togo. La dynamique ne s'est pas arrêtée là. Une autre initiative est dédiée aux artistes, aux peintres et aux musiciens, poètes et slameurs. Nous parlons de toutes ces activités ce matin avec M. Gérard Hadja. Il est le vice-président du MPDD, mouvement, parti politique, membre de la dynamique Monseigneur Podjo. Monsieur Hadja, bonjour. Bonjour à M. Norbert Douhadi. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, je le disais tantôt, vous avez lancé toute une panoplie d'activités à l'endroit des populations, que ce soit du Nord, des artistes et slameurs du Togo. Alors aujourd'hui, parlez-nous un peu de ces activités. Très bien. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée qu'il nous accorde gracieusement. La dynamique Monseigneur Podjo pense que les Togolais sont en détresse, surtout dans certaines parties de notre pays, notamment la partie septentrionale, la région de Bendjel, la région de Tone, etc., où ces derniers temps, nous avons connu des incursions barbares de ce que nous appelons les terroristes. Et ça a fait déplacer beaucoup de compatriotes de leur domicile à d'autres endroits. Et cela fausse carrément leurs habitudes de vie et cela entraîne des problèmes d'habitude, des problèmes de conformité. Et ça fait que ces populations sont démunies complètement. Ceux qui sont allés s'abriter également doivent avoir des difficultés. Et le Togo étant ce que nous connaissons depuis quelques temps, c'est-à-dire que les gens n'ont pas des emplois fixes, la situation de vie étant très très difficile. Alors, dans ces conditions-là, dans ces nouvelles conditions de ces compatriotes, nous avons pensé qu'ils doivent être dans la détresse extrême. C'est pour ça que la dynamique Monseigneur Podjo a pensé que les citoyens doivent être solidaires. D'où la nécessité de créer cette opération pour demander des fonds à ceux qui peuvent, à ceux qui ont les moyens de pouvoir nous aider, pour que nous soyons ensemble solidaires de ces populations. Donc c'est juste une activité sociale que nous avons lancée pour essayer d'apporter des soutiens à ces compatriotes-là qui sont dans la détresse extrême. Donc c'est là où le pouvoir nous a conduits. C'est là où ce pouvoir nous a conduits. Ce pouvoir qui ne veut pas entendre raison a conduit les Togolais dans cette situation malheureuse. Donc nous ne pouvons pas nous taire, c'est pour ça que nous essayons de faire ce que nous pouvons pour apporter le minimum d'assistance à nos compatriotes qui sont complètement démunis. Et nous appelons également à nos artistes, tous ceux qui peuvent contribuer par leurs prestations, par leurs activités, à sensibiliser les populations pour que chacun participe à cette opération. Alors, donc voilà tout. Et nous voudrions aussi sensibiliser nos populations que toutes ces situations arrivent parce que, quelque part, nous aussi, nous prenions une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que quand un pouvoir nous opprime, quand un gouvernement qui n'est pas légitime, nous n'avons pas voté pour ce gouvernement, mais continue de nous diriger par la force, par la terreur, il appartient aux citoyens de dire non. Et donc, toutes ces activités-là aussi
doivent contribuer à réveiller les Togolais pour qu'ils sachent qu'il est l'heure de dire non. Alors, est-ce que c'est une manière pour vous d'exister sur le terrain ou bien vous êtes maintenant, la dynamique, Monseigneur Podre, est maintenant dans le social? Écoutez, exister sur le terrain, nous y sommes déjà. Nous sommes déjà sur le terrain. La dynamique, Monseigneur Podre, est connue partout. Non, c'est parce que les gens disent depuis 2020, vous êtes fatigué. Non, qui vous a dit que nous sommes fatigués? Nous-mêmes, nous vous avons dit que nous sommes fatigués. Comment nous serions fatigués si... Ce pourquoi les Togolais nous ont responsabilisés, nous n'avons pas encore l'effectivité de cette victoire. Nous ne pouvons pas être fatigués. Donc, détrompez-vous. Hein, détrompez-vous. Ceux qui pensent que la dynamique Monseigneur est fatiguée, ils se trompent. Parce que partout ailleurs, les Togolais ont voté pour nous pour acter l'alternance en 2020. Et malheureusement, par la force, par la terreur, par la violence, ce gouvernement de la minorité a confisqué la victoire du peuple togolais et on pensait que après avoir confisqué cette victoire, ils en feraient quelque chose de bon pour les Togolais. Malheureusement, voilà là où ils ont conduit les Togolais. Après avoir volé la victoire, on a conduit les Togolais dans la détresse. Donc, nous ne pouvons pas nous taire devant cette situation dramatique que vivent les Togolais. Donc, nous continuons par sensibiliser tous les Togolais, où qu'ils soient, pour que chacun prenne conscience que il m'appartient à moi aussi de faire de ma part pour que nous soyons libérés. Et donc, toutes ces activités-là, c'est juste pour aider ceux qui sont dans la détresse, mais également réveiller tous ceux qui dorment et qui pensent que c'est certaines personnes qui peuvent le faire eux seuls. Non, c'est tous les Togolais qui doivent se lever aujourd'hui pour dire non, ça suffit, parce qu'aujourd'hui, ça arrive aux populations de Pendjal, de Tone, etc. Mais demain, nous ne savons pas à qui le tour. Donc, nous ne souhaitons pas le malheur pour notre pays, nous souhaitons tout le bien pour nos concitoyens togolais, mais dans le contexte actuel où nous ne savons pas où nous amène ce gouvernement de minorité, il est temps que chaque Togolais se dise « je dois faire ma part » et que chacun se dise « c'est... » ma contribution qui fera délivrer ce pays-là. Alors, si le programme établi par le gouvernement, si ce programme marchait bien l'année prochaine, peut-être il y aura des élections régionales. À ce niveau, comment est-ce que vous vous préparez pour les échéances électorales à venir? Vous savez, nous avons déjà plusieurs fois dit, moi-même je l'ai répété dans votre studio ici, que les élections régionales, nous n'en voyons pas sa nécessité, sa pertinence. Et son opportunité. Parce que ce sont cette élection pour faire quoi? Pour mettre en place le Sénat, pour mettre en place les conseils régionaux. Mais les conseils municipaux que ce gouvernement de minorité a déjà mis en place, ils n'arrivent pas à trouver les moyens pour qu'ils fonctionnent normalement. Et vous avez vu, avec cette période de pluie, l'état dans lequel se trouve notre ville. Vous avez vu? Partout ailleurs, dans Lomé, surtout dans les banlieues, à Didogomé, à Gouenivé, Zanguera, un peu partout, dans tout le Golfe. Et puis également, si vous allez au niveau de Némarché, c'est catastrophique. Hein, c'est déplorable, cette situation que nous voyons. Alors, l'État n'arrive pas à trouver les moyens pour permettre aux collectivités de travailler. Et où est-ce qu'il va trouver les moyens pour donner aux conseils régionaux? Donc, nous ne comprenons pas. Quelle est cette politique de tête baissée, cette politique d'autruche que tente de faire notre gouvernement actuel, le gouvernement illégitime, hein, que certains appellent le gouvernement de la minorité, parce que c'est une minorité qui s'accapare du pouvoir et qui l'exerce de façon médiocre, tellement que le pays plonge tous les jours dans l'abîme. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi vouloir organiser des élections régionales dans ces conditions. Bon, les élections législatives, c'est un agenda républicain, constitutionnel. Nous pouvons estimer qu'il y a nécessité qu'on le fasse. Mais nous avons déjà fait une élection au Togo qui a créé une crise. C'est l'élection présidentielle du 22 février 2020 que la DMK a gagnée avec son candidat Messang Bome Kodjo. Nous continuons par réclamer cette victoire.
que les gens ne pensent pas que c'est fini. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Parce que le peuple ne peut pas décider. Et une minorité, avec les armes, avec des attitudes de terreur et je ne dirais pas de voyous, confisque cette victoire et puis gère mal le pays. C'est-à-dire que si le pays se gérait un peu bien, bon, on peut comprendre. On peut comprendre que les citoyens sont satisfaits et donc, bon, ils peuvent continuer à faire quelque chose. Mais le pays est tellement mal géré qu'on ne comprend pas pourquoi il continue de vouloir confisquer le pouvoir du peuple. Vous savez, la victoire de la DMK, c'est une opportunité nationale pour tous les Togolais, y compris le parti au pouvoir. Parce que c'est une porte de sortie honorable pour ceux qui ont gouverné le pays pendant tout ce temps et qui ont mis le pays dans cette situation où nous voyons. Qu'on veuille ou non, c'est visible que les Togolais vivent mal, que le pays est mal géré. C'est visible que personne ne se trompe. Et même ceux qui disent qu'ils gouvernent, c'est-à-dire le Parti Uni, ils savent très bien que ça ne va pas. Puisque la situation que nous vivons, ce n'est pas les populations qui ont voté pour l'opposition seules qui vivent ça. Ils vivent ça aussi. La minorité, tout le monde se plaint pour le comportement de la minorité. Parce que dans toutes les sphères de l'administration, c'est la corruption. Alors, sur la page Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demande jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer par réclamer cette victoire? Jusqu'où ils vont confisquer notre victoire. Parce que tant qu'ils ne vont pas vouloir s'asseoir avec nous pour que nous discutions de comment faire pour qu'ils s'en sortent et pour que le peuple aussi s'en sorte, nous continuerons à revendiquer cette victoire jusqu'à ce que la solution soit trouvée pour le Togolais. Parce que c'est une solution des Togolais que nous cherchons. Donc, que ceux qui disent que jusqu'à quand, bon, libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais nous autres, nous considérons que le peuple nous a investis d'un pouvoir et nous devons réclamer ce pouvoir-là. Alors, dans l'intérêt du peuple togolais. Certains partis politiques demandent au ministère de l'administration territoriale demander au gouvernement d'organiser des audiences foraines de délivrance des pièces d'état civil aux Togolais en âge de voter qui n'en disposent pas, ceci avant le recensement électoral. Vous, au niveau de la DMK, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Vous savez, tout ça là, c'est la déchéance de la gouvernance. Parce que après plus de 50 ans de la gestion d'un pouvoir, si nous n'arrivons même pas encore à régler le problème d'état civil, c'est-à-dire comment obtenir les pièces d'état civil pour nos populations, alors c'est l'échec. C'est l'échec total. Parce que moi-même, j'ai connu la fortune, la mauvaise fortune, tout récemment, en accompagnant une connaissance qui veut se faire délivrer la nationalité pour ses enfants. La personne est en Europe et il veut obtenir la nationalité pour ses enfants. Quand je suis allé au service de nationalité, j'ai été ahuri. C'est pas normal ce qui se passe là-bas. Vous voyez des gens un peu partout, assis un peu partout, dans le désordre total. Et ça, c'est pour obtenir une pièce d'identité. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si dans notre pays, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui peuvent aller, des femmes qui accouchent et qui ne peuvent pas avoir des certificats de naissance pour leurs enfants dès la naissance, mais c'est dommage. Donc, si les partis politiques demandent ça, je crois que les gens sont en train de proposer ou bien de vouloir une solution au minima. La solution normale, c'est de dire que vous faites mal, quittez pour que d'autres personnes viennent le faire. Donc nous n'allons pas continuer à accepter le minimum, une solution au minimum. Ce n'est pas normal. Hein? Toujours dire que bon, il faut qu'ils fassent mieux, alors que les gens sont incapables de le faire. Si les gens ne le font pas bien, c'est parce qu'ils sont incapables de le faire. Pourquoi vous voulez qu'ils continuent? Donc je comprends ces partis politiques qui pensent que en demandant de faire des séances foraines, bon, ça va régler un peu la... Oui, mais ce sont des solutions à la façade, ce sont des solutions au minima.
Bon, je les comprends, mais est-ce que ce sont ces solutions qui vaillent aujourd'hui? Non. Il faut que nous ayons une thérapie de choc. Parce que le problème est profond. La plaie du Togo est très profonde. Nous devons chercher une thérapie très, très efficace. Et c'est une thérapie de choc qu'il faut. Il faut que cette gouvernance cesse. Parce que cette gouvernance conduit les Togolais dans le chaos. Alors, les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'allons pas marquer de pause. Alors, depuis le lancement de l'opération, c'est un auditeur qui demande de l'opération Togo Solidaire. Quelle est aujourd'hui la situation? Est-ce que vous avez des gens, est-ce que ce que vous attendez, est-ce que vous avez ce genre de choses? Non, nous commençons par avoir la mobilisation autour de cette opération-là. L'opération n'est pas gérée sur le plan national. L'opération est gérée plutôt sur le plan international. Donc, l'évaluation se fait au jour le jour. Je considère que l'engouement ou bien la mobilisation qui se fait autour de cette opération, elle est acceptable, elle est encourageante. Donc, continuons par insister, continuons par sensibiliser, mobiliser les gens. C'est pour aider nos frères togolais qui sont dans la détresse. Et je crois qu'il y a des gens de bonne volonté qui comprennent ça. Même il y a des citoyens qui sont de venir, qui savent qu'ils en font de trop et qu'il faut aider un peu. Et il y a des gens qui, de ce côté-là aussi, se mobilisent, qui se sensibilisent, qui se sentent concernés et qui font des efforts pour que les Togolais puissent avoir un minimum de confort. Alors, vous-même, vous l'avez dit sur ce plateau que le problème d'extrémisme violent ne concerne pas juste un parti politique, mais c'est un problème national. Peut-être c'est à cause de ça qu'il... Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous disons que ce qui se vit au Togo, finalement, ce n'est plus une partie, ce n'est pas un problème d'un parti politique ou d'un groupe de partis politiques. Ce sont tous les citoyens qui sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans le système ou de la grande maison, comme disent certains, et ça peut aller bien pour vous, mais demain, vous ne savez pas quoi le lendemain sera fait. Alors, parce que Dieu est Dieu. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Et je voudrais dire que c'est un effort vraiment louable de la DMK qui a pris sur lui d'aller aider les populations qui vivent dans la précarité, dans la misère, surtout dans l'insécurité. Je leur dis bravo. Merci. Deuxièmement, et tout à l'heure, dans le journal que vous avez passé, j'ai appris qu'il y a une nouvelle une association, quelque chose comme ça. Une coalition, oui. Voilà. Qui d'organisation de la société civile Lindao. C'est ça, Lindao, qui veut dire espoir. Ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai entendu le déroulé de leur programme. Ils ont parlé, et surtout du nombre de ministères, c'est ce que je répète souvent quand j'interviens dans ce domaine, que nous avons trop de ministres. Nous parlons de vicheurs, alors que nos ministères sont des postes budgétivores. Eux, ils ont dit 20, moi j'avais dit 15, parce que dans un ministère, on peut avoir plusieurs directions. Je vais vous donner un exemple pour ne pas trop monopoliser la parole. Oui. Quand je prends le ministère de la Défense, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Sécurité, moi je mets un seul nom, le ministère de la Sûreté. Quand on parle de sûreté, on retrouve tout ça dans ce dénommé. Donc, c'est de voir et avec votre invité. S'ils peuvent et contacter ou bien prendre la tâche, et je le dis aussi dans l'autre sens, si eux aussi m'écoutent, avec la DMK, pour que le problème du Togo soit résolu. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Basile. Allô? Basile. Basile, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci, je vais diminuer même le volume. D'accord. Ça va maintenant? Oui, ça va. Bon, bonjour à vous tous et surtout à l'invité. Merci. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je vais me
poser des questions qui vont certainement à lui aussi en même temps. Est-ce que ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire là, est-ce qu'ils ont bien analysé les contours? Il ne faut pas que demain on dise qu'ils sont à court d'argent et qu'ils veulent faire des collectes de fonds pour eux. Moi, ce sont des questions que je me pose à moi-même, mais en même temps, je l'ai dit d'entrée que ça doit aller à eux. De deux, oui. Ils sont là, le pays est toujours coté premier dans les choses. Mais eux, tous ils sont là. Mais bon, moi, je l'ai dit quelque part hier que bon, ce truc de que nous sommes coté toujours premier partout, partout, mais chez nous ici, on ne voit pas pourquoi nous sommes premiers, mais bon, est-ce que tous ils sont là, ils voient ces choses, mais est-ce que c'est moi, le citoyen lambda comme ça, qui doit venir parler ça sur les top? C'est à eux de réagir dans les choses-là. Parce que moi, à mon humble avis, je pense que ces institutions qui font cette publication-là sont pour quelque chose, pour le malheur du peuple togolais. Bon, c'est de ça que moi, je vais leur parler. Ils ne voient que demain, on leur dise que, ah, ils ont besoin d'argent, et ils disent qu'ils veulent aller aider nos frères du Grand Tone. Et tout ça là, c'est ce que moi je veux leur dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Basile. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nanef, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, président. Bonjour, Pélé. Ok, je félicitations. Du courage. Merci beaucoup. Je pense que ce que moi je veux dire d'abord, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le RPPU n'a rien à fournir à ce peuple togolais. Il est au bout du souffle. Il est fatigué. Il faut l'aider à sauver ce pays. Mais ce que moi je vais demander ce matin, l'argent que Fong Yassine a promis à des parents de rêve, la table, il fait et donner l'argent à ses parents de rêve au lieu de parler des élections régionales. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 80-09-71-71. Nana FM, allô? Allô. Madame Messi, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, la DMK vient nous parler ce matin. Et puis, voilà. La fraude électorale, le vol d'élection est permanente au Togo, comme si on l'a institutionnalisé. Si bien que celle de 2020, la dernière, n'est pas nouveau. À ce que je sache, surtout qu'il n'y a pas eu mort d'homme, parce que les précédentes sont truffées de tuer, de tout ce qu'on veut, d'estropier, de blesser. Mais là, la dernière fois, c'était cool. Et puis voilà. Et puis, je comprends pas, lors de cette élection-là, pourquoi la DMK s'en est prise qu'à l'ANC, un parti qui n'a jamais collaboré avec le régime? J'ai pas compris ça. Est-ce que il faut ça à cette DMK pour s'élever et vous avez laissé le parti au pouvoir? Et j'ai pas compris. Et vous en êtes même félicité sur les médias que vous avez écrasé la ANC et tout le reste. Bon, bref. Et pour dire que on n'a pas besoin d'élections au Togo. Les élections sont vidées de leur sens par un régime sclérosé qui pourra plus rien proposer. Il nous faut une transition et pour des réformes démocratiques et avancées. Merci. Le pays se meurt. Le Togo se meurt. Merci. Pour le social, s'il vous plaît, deux secondes. Pour le social, j'estime que la DMK nous a dit sur les médias par Monseigneur que vous aviez ouvert un compte au Bénin, non? Voilà. Merci à madame ici pour sa réaction. Nous avons un autre auditeur en ligne. En FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Gado. Bon, vous savez, franchement, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce qui se passe aujourd'hui au pays-là. La population a trop donné. La faute, c'est à l'opposition. Je l'ai toujours dit. C'est la faute, c'est à l'opposition. Si c'est à dire, j'ai déjà oublié la paix, bon. Moi, on ne va plus marcher pour problème d'élection. Mais c'est la vie chère
Bon, d'accord. Mais depuis 30 ans, la population a donné. Mais qu'est-ce que vous voulez à la population? Répondez-moi aujourd'hui. On vous a donné 8 chiffres à la Lettonie. Zéro. On vous a dit, bon, maintenant, on s'écrit. Vous avez dit, non, n'allez pas vous écrire. Mais quand vous demandez quoi à la population? La population a trop donné, mon Dieu. Qu'est-ce que vous nous expliquez? Merci et bonne journée. On prend le tour des nids auditeurs en ligne. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. On peut prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui. C'est Max qui revient. Je sais que je ne dois pas revenir, mais on a été coupé. Je peux terminer? Oui, ok, allez-y rapidement. Ok, je parlais du Togo qui était en prison, que tout le Togo, aussi bien le parti au pouvoir que la population, les partis politiques, nous sommes tous en prison. Je voudrais dire par là que seule l'alternance peut débloquer tout et remettre le Togo sur de nouveaux rails. C'est ce que je voulais dire que quand j'ai été coupé. Merci. Merci à vous aussi. Je pense qu'on va maintenant donner la possibilité à l'invité de répondre. Vous avez suivi les uns et les autres. Soit vous commencez par M. Garo, vous commencez par Masdali Dogome. Bon, je vais essayer de répondre à tout le monde. D'accord. Autant que faire se peut. Mm. Bon, seule l'alternance peut régler le problème. Mm. Et l'alternance, les Togolais la veulent depuis longtemps. Et les Togolais vont voter à chaque fois pour l'alternance. Mais à chaque fois, la minorité qui pense que avec la terreur, avec la force, avec la violence, ils peuvent se maintenir au pouvoir, continue de se maintenir au pouvoir. Et quand ça se passe comme ça, les partis politiques légalement constitués ne peuvent pas exercer de la violence. Ce n'est pas dans notre attribution. Vous comprenez? Donc, les partis politiques sont dépourvus. Et les forces, ou bien la force des partis politiques, c'est la mobilisation populaire. Donc, les partis ne peuvent que compter sur la mobilisation populaire pour régler les problèmes que pose une minorité qui a les armes, qui a le système de violence, qui a le système de terreur. Mais si on interdit la mobilisation, si on étouffe la population, et là, on enlève l'instrument principal qui appartient à l'opposition pour agir. Et ça aussi, ce n'est que la population qui peut déverrouiller. Et c'est pour ça que le travail qui doit se faire aujourd'hui, c'est d'aider la population à comprendre que nous sommes tous en prison, mais ensemble, unis et mobilisés, nous pouvons déverrouiller les portes de la prison. C'est très important. Et donc, il appartient à la population de savoir que ce n'est pas uniquement aux partis politiques que la responsabilité revient de se libérer. C'est ensemble, dans les pays où les choses commencent par aller, c'est-à-dire que les gens commencent par réclamer leur vraie indépendance, leur vraie liberté, je pense que ce n'est pas les partis politiques. Là, je réponds en même temps à M. Gado pour dire que, oui, on peut dire que c'est la faute au parti politique parce qu'à un moment donné, des erreurs ont été commises. Mais l'erreur est humaine. C'est vrai, les erreurs ont été commises, mais ce n'est pas parce que des erreurs ont été commises qu'il faut aujourd'hui venir s'asseoir et mettre les mains dans les jambes pour dire que c'est fini, ils n'ont qu'à faire ma voix. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en prison, comme le dit Max Dadjidogobe. Et il appartient à nous tous d'en être conscient et de se lever pour dire que cette fois-ci, là, c'est bon, on va pas mourir quand même en prison, tous en prison. Déployons nos dernières énergies que nous avons pour briser les murs de la prison. Et je crois que c'est ça que c'est sur ça que nous devons travailler aujourd'hui parce que nous tous, y compris les gens du système, se retrouvent dans ce trou-là et ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est pour ça que je disais que l'opportunité de la DMK, c'est-à-dire la victoire de la DMK de 2020, est une opportunité nationale pour que les populations s'en servent pour obtenir l'alternance et pour que le pouvoir aussi s'en serve pour s'en sortir tête haute. Mais s'ils s'entêtent à y rester, un jour ou l'autre, lorsque la pression, parce que quand on comprime de l'air à un moment donné,
ça s'explose. Quoique l'air n'a pas l'air, l'air n'a pas une force en tant que telle, mais elle a une force. Je veux dire la population. Lorsqu'on compresse à un moment donné, ça peut s'éclater. Donc, nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. Il y a ce qu'on appelle le changement par la révolution, mais également le changement par l'évolution des comportements. Et c'est ça que nous souhaitons pour notre pays, que ceux qui gouvernent aujourd'hui se rendent compte à l'évidence qu'ils n'ont plus quelque chose à donner. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont complètement dépourvus du sens de la réflexion, de la bonne réflexion surtout, et qui ne peuvent plus rien donner. Ils ont fait leur temps et ils ont commis des erreurs qu'ils peuvent aussi commettre. Mais l'erreur humaine, on peut leur comprendre ça. Mais il faudrait qu'ils sachent que pour s'en sortir, il faut discuter. Nous sommes en politique, il faut discuter pour s'en sortir bien. Mais s'ils ne veulent pas, ils croient qu'ils peuvent baisser la tête et continuer comme ça. Non, il y a des obstacles, même sur le boulevard, même sur les autoroutes, on fait des accidents. Même sur des autoroutes, on fait des accidents. Il faut que les gens s'en rendent compte. Donc, vouloir aller aux élections législatives sans régler le problème de l'élection de 2020, je crois que ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous demandons à cette minorité qui est au pouvoir de faire profil bas pour comprendre que la situation dans laquelle ils ont plongé le Togo n'est pas la bonne. Et il faut que si ça s'agisse, et qu'ensemble nous réfléchissions à la façon de nous en sortir tous, parce qu'eux aussi, ils en sont prisonniers. Maintenant, pour répondre à ici, la fraude électorale ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de 2020. Nous sommes d'accord là-dessus. Ce n'est pas en 2020 qu'on a connu la première fraude électorale. Non, depuis toujours, nous en connaissons. Mais nous ne voudrons plus en connaître. Nous voudrons que ça s'arrête là. Et surtout, la DMK ne veut pas accompagner le fraudeur, ne veut pas accompagner le voleur. Parce que, bon... Pourquoi, avant 2020, on fraude, bon, nous protestons et puis nous arrêtons la protestation. Pourquoi ça? Bon, peut-être qu'il y a des discussions qui se font, mais à quel niveau? Le peuple est au courant qu'il y a des discussions pour que les choses puissent reprendre normalement. Nous n'en savons rien. Mais cette fois-ci, nous disons non, ça ne va pas être comme ça. Ça va être comme ça parce que le peuple ne peut pas tout le temps voter et on fraude. Et puis nous retournons à la maison pour dire bon, on a volé et puis bon, ça recommence. Nous disons non. Cette fois-ci, nous disons non. Il faut que ça se fasse. Donc c'est pour ça que nous continuons pas à réclamer. Et que les gens ne pensent pas que c'est pour réclamer que nous réclamons. Non, nous voudrons que cette pratique s'arrête dans notre pays. Et elle dit que pourquoi s'en prendre à l'ANC, je n'ai pas vu. Le responsable politique de la DMK qui s'en est pris à l'ANC. Je ne l'ai pas fait. Je ne crois pas qu'Agbeyoumé en a fait. Je ne crois pas que Mme Ajamagbo en a fait. Je ne crois pas qu'il y a un responsable de parti politique, membre de la DMK, qui s'en est pris à l'ANC. Parce que l'ANC, c'est un parti respectable que nous respectons. Et je ne vois pas qui va s'attaquer à l'ANC. Maintenant, si les activistes, entre eux, s'attaquent les uns aux autres, je crois que ça, c'est un autre débat. Il faut que les gens comprennent ça. Maintenant... ce n'est pas pour des besoins d'argent que la DMK initie cette opération-là? Je crois que nous avons besoin d'argent, certes, mais on n'a pas besoin de faire une opération en faveur des pauvres pour avoir de l'argent pour nous. Nous savons que le travail que nous faisons nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Nous nous sacrifions pour le faire et nous savons comment nous nous débrouillons pour le faire. Mais si les Togolais sont en détresse et nous réfléchissons pour les accompagner, il ne faut pas que les gens aient cette mentalité négative, cette mentalité de pénurie, en pensant que nous sommes en train de chercher des sous pour nous. Non, nous sommes des gens assez matures, assez mûrs, et nous sommes solidaires avec ce peuple en danger. C'est pour ça que nous pensons que nous devons faire notre part pour accompagner ces populations-là. Alors, il y a Basile... La nouvelle coalition qui est née, je les félicite, parce que finalement, il ne faut pas que les gens croient que c'est seuls les partis politiques qui doivent travailler pour que ce pays soit délivré. Nous, les partis politiques font leur part. Et la société civile fait également sa part. Mais si à un moment donné,
il y a de l'essoufflement au niveau de la société civile et il y a du sang nouveau qui vient pour revigorer cette société civile-là, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et je crois que M. Koumou, je le félicite avec son groupe, qu'il travaille pour réveiller les Togolais parce que, quelque part, je pense que les Togolais sont en train de dormir un tout petit peu. Nous faisons notre part pour les réveiller. Et dans les pays où les révolutions se font, où les changements adviennent, ce ne sont pas les partis politiques qui sont au devant, c'est la société civile. Nous ne voulons pas ce type de révolution-là pour notre pays. C'est pour ça que nous travaillons pour que le pouvoir, la minorité en place, puisse comprendre qu'il y a nécessité de négocier une porte de sortie pour que le pays se lance sur de nouvelles bases. Mais s'ils ne veulent pas comprendre ça, s'ils ne veulent pas comprendre ça et s'entêtent dans cette façon typique de gouverner, dans cette façon médiocre de gouverner, dans cette façon calamiteuse de gouverner, bon, les conséquences, tout le monde verra. Mais moi, je les avertis, il est temps pour qu'ils comprennent que trop c'est trop. Les Togolais commencent par en avoir marre. Et ce n'est pas parce que les gens se taisent qu'ils croient que rien ne bouge, que rien ne se fait. Dans la tête des gens, ça bouillonne. Et je crois qu'ils doivent le savoir. Ils ont des services de renseignement. Ils doivent écouter les gens, les plaintes que chacun se fait à son niveau, ou bien les difficultés que chacun rencontre à son niveau. Je suis certain que ce pouvoir est au courant de ça. Donc, la porte de sortie, c'est de venir discuter de la victoire de 2020 avec la DMK. Alors, Basile, qui pense que le pays est coté un peu partout, dans plusieurs domaines, les retombées ne se ressentent pas. Non, oui, il a raison. C'est l'habitude de la maison. C'est-à-dire que aller se faire voir ailleurs, aller montrer que ça marche bien, alors qu'à l'intérieur, rien ne marche. Donc, c'est la politique de saupoudrage, c'est la politique de m'as-tu vu, c'est la politique de l'embellissement et du cosmétique. Hein? On met de tout ce qu'il faut pour s'embellir, alors qu'à l'intérieur, c'est pourri. Donc, je crois que on ne peut pas gouverner pour l'extérieur. On ne peut pas gouverner pour des gens de l'extérieur. On gouverne pour les citoyens d'abord. Les chefs d'État, tous, travaillent dans l'intérêt de leur peuple d'abord. Malheureusement, au Togo, la minorité qui a gouverné jusqu'à présent travaille pour l'intérêt des gens à l'extérieur et ne s'occupe pas des intérêts des Togolais à l'intérieur. Parce que c'est piteux, c'est honteux de voir que la misère pilule partout, la misère se sent partout, mais quand on va dehors, on se comporte comme un pays riche, un pays où on n'a pas de problème. C'est honteux. Mais les gens, ceux qui font tout ça là, les gens aussi savent, ils ont des renseignements sur nos pays, non? Pourquoi nous continuons de faire ça? Il faut qu'on arrête ça. Et les Togolais doivent contribuer à ce que ça s'arrête. C'est pour ça que nous disons, il est temps pour que chacun dise, je dis non. Nous disons merci à Gérard Jarvis, président du MPDD, parti membre de la Dynamique. Monseigneur Podro, merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nan FM. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.